si vous comprenez. In English, in French. Pour moi. Alors, the sound of the speaker is really difficult for the interpreters. It cuts again and again. Thank you very much, Aida. I'm very happy to meet you. Esther, the same. And all the rest of you, Elsa and others, which I'm happy to meet for the first time and happy to have many more times. The most well-read book written by a Palestinian with Israeli citizenship, what we call an Israeli Arab, is Emil Habibi's book, The Opsimist. The Opsimist, right? Which is a fantastic, I mean, very sad discourse about the reality of the Israeli Palestinians or the Palestinians with Israeli citizenship. But the Opsimist is an optimist and pessimist and pessimist and optimist, and he moves between the moods. The whole book is moving between the moods. So when I'm asked these days, are you an optimist and a pessimist? I say, well, I'm Emil Habibi. I mean, it's too complicated because Netanyahu is not here anymore. So I can say it's not the government of my dreams, but the nightmare is over. So it is not exactly what I wish for. It's not exactly what I want. And I have a feeling that neither does Aida here, that we, not for the first time and not for the last time, voted for the same party and the same set of values and ideologies. But in a way, everything is better than what we had with Netanyahu, I mean, at certain parts. So when you take this and you say, okay, it's a new government, is there a room for new hope? Is there a room for new development? Here, I'm a little bit of a pessimist. In what sense I'm a little bit of a pessimist? On one hand, I have the confidence that as long as this government is in power, there will be no serious deterioration of the situation, because the very impressive, surprising, not simple presence of an Arab political component within the government. So this might block some of the potential deteriorations. And on the other hand, there will be no breakthrough to the other side towards a solution or toward a more comprehensive reconciliation, because the government is composed of right-wing conservative elements as well. So between the breakthrough of having an Arab component within the government for the first time in the life of the State of Israel, and the government being led by a right-wing ideology, it will be more or less a better status quo, if I can say, if there is something like that. So with a better status quo, the question remains in place: what are we talking about? People have the feeling that the two-state solution, which is such a beautiful formula, is a kind of a commodity on the shelf in our supermarket, the only commodity in the political supermarket which has no expiration date, that will live forever. Never mind when you come to visit it, never mind when you look at it, whenever you want it, you can take it off the shelf and immediately implement a two-state solution. Unfortunately, the facts on the ground are not there. Mainly from the Israeli side, the ever-expanding and the ever-growing presence of the occupation via settlements, infrastructure, discrimination, parallel legal systems, etc., which enhances more and more and more and more the dominance of one component, the Jewish-Israeli component, without the generosity or the readiness to relinquish all of these supra-privileges in order to have a bit more of an equal reality. And on the other hand, much less in power, but still very explicit, the weakness of the Palestinian political system, both in Ramallah and a different alternative one in Gaza, makes the dream or the notion of the right idea and the just idea of the two-state solution as a far away, and in the eyes of many, even fading away ideology. If tomorrow morning you come and tell me, Avraham, Deus ex machina, we can have it, do this and this and this and this, hocus pocus, abracadabra, you have a two-state solution, I will marry it. But since I do not see it, I would like to reframe the public discourse.
I do not think that as for now, which is September 2021, the discussion is between two-state solution and one-state solution. No, as for now, the two-state solution is maybe not yet dead, but it's in an emergency room. It is not really functioning. It's not really an option. And the real debate is what kind of a one-state solution are we talking about? Because today we have a one-state formula. It's a one state, which is the omnipotent political power between the Jordan and the Mediterranean. It's a one state with two regimes. One state, i.e. the state of Israel. And the two regimes are one regime full of privileges for the Jews and one regime full of discrimination for various existential realities of the Palestinians. It completely discriminates the Palestinians in the West Bank. It partially discriminates the Palestinians of East Jerusalem, and it generously discriminates the Palestinians with Israeli citizenship. Various kinds of discriminations. One thing for sure, there is not even one individual Palestinian between the Jordan and the Mediterranean who has the same rights and the same privileges I have as a Jew. So the reality, the contemporary realpolitik is a one state with two regimes. And I believe that the way to defeat it is not to keep telling us two states, which has no feasibility as for now, but to offer a different kind of a one-state formula. And now let's have a competition between one state and two regimes and one state and one principle. What is this one principle? This one principle is that between the Jordan and the Mediterranean, every individual and therefore every community has the right for the same rights. That's the basic. Once you have this, all the rest of the conversation might be difficult, but more comprehensible, more understood. People tell me, but Avrum, it's impossible. Because, and I say, and the current situation is possible, and two-state solution is possible, as if you have something which is very, very possible, and I come with a concept which is completely impossible. And I believe that the one I put now on the table, that every individual between the Jordan and the Mediterranean will have the right for the same rights, and therefore every community has a potential that all the other formulas do not have. And this is the following one. Israel, unfortunately, is well trained to use power and knows what to do when power is power or violence is exercised towards or against it. More power will not defeat the powerful, omnipowerful Israel. The only thing that Israel has no answer for is civil, nonviolent disobedience. And I can show along the history how time and again, whenever something peaceful was offered to the Israeli political system, he didn't know what to do but to react positively to it. When I say this, I say as follows. I, as a person, do not count states anymore. One state, two states, five states. This is not what I'm counting. I'm counting rights. And the minute there will be a critical mass of Palestinians in Palestine, of Israelis of both Jewish and Palestinian origin within Israel, who will say, one person, one vote. And we would like to have the right to determine democratically who shapes our life, that will be the beginning of the end. Because if Israel argues to pretend to be the only democracy in the Middle East, democracy is many things. One of them is that I, as individual, has the capability to vote for those who shape my life. And the fact that there are millions of people who are deprived of their rights
to vote for those who legislate and shape their life means it's a very limited, handicapped democracy. So once the argument will say, Israel, you argue to be a democracy, the only democracy in the Middle East, no problem. I in Ramallah, I want to vote for Jerusalem because you legislate on me. I in Gaza, I want to vote for Jerusalem because you legislate on me. Then one of the two things will happen. Either with enough of world and local push, either Israel will say, oh no, the last thing we need now is a couple of millions of Palestinians to vote for the Knesset. One Ida we cannot live with. Can you imagine? I mean, 5 million Idas, okay? I mean, I wish, but... So they will say, no, take two states in order not to be part of our state, or eventually give up and say, wallah, between the Jordan and the Mediterranean, one democratic political reality. And therefore, to summarize it, I say, the situation is not very optimistic. The potential is huge once a different opening will be used. Thank you very much. Merci beaucoup, Avram. Je pense Thank que you very much, Avram. C'est une introduction qui appelle beaucoup de réactions. I think that your introduction raises many comments. Je vais laisser la parole à Aïda. I will now give the floor to Aïda Tumasliman. Thank you very much, Daniel. Thank you. Of course, I would like first to thank you for asking me to participate in this discussion and to meet the wonderful people and to listen to their contributions into this discussion. Actually, I listened very well to Avram, and this is, let's say, part of the discussions that are happening now back home. And to tell you the truth, you didn't sound very optimist. You sounded very optimist toward the end, Avram, and which is, I envy you for that. I know that politicians should be always optimists because they are offering the people solutions for their problems. But to tell you the truth, I think these days, whenever anybody is asking me how it is going on or what's the situation, usually I say, you know what, I don't know. How you feel about it, I don't know. Because I think this is the... a situation where you can feel both feelings, which are very extreme to the different sides of the scale. You can feel that we are starting a new era where things might develop into the a situation where we can achieve the vision we want, or at least we can promote the ideals and the values that we carry on and we want to do. And on the other hand, you understand that the situation is so complicated that it can deteriorate in one day and we can end up in a very different situation, not so optimistic. Usually, to tell the truth, I'm not a very optimistic person. And to tell also the truth, I think the reality that we are living is giving me the luxury of being many times very pessimist. Yes, that's true that a new government has been composed in Israel. And if you ask me what is the good sides of this government, I might find it very difficult to add more than two things. One is that meanwhile, Netanyahu is sitting on the opposition bench and he did not disappear, by the way, Avram. He is still there. And for my regret, his tradition, his positions, his politics are still there inside the government.
although Netanyahu is not sitting in the government, but this new government that promised a change, it looks like beyond personal change, it didn't have any vision for a real change. That's true that we are not listening to incitement every day, which Netanyahu was a very good in doing it. But this government, in my opinion, is even more dangerous for some reason, and I might tell you why. First of all, this government suddenly legitimized the composition between what is called or the so-called center and left in Israel, or Zionist left in Israel, legalized the very ultra-right wing parties in Israel by joining together in one government and made it possible and acceptable to have people like Bennett, who used to be the chairing the settlements council, and actually still carrying the ideology of the land of Israel and the hope to create only one big, large Israel, is still carrying it in his heart, in his mind, and in his actions. One of the things that I will never forgive this government for is that this composition and voluntarily the so-called center and Zionist left parties, they voluntarily quit one of the most important rules in the Israeli society, which is speaking up against the occupation and the settlement. And this is, in my opinion, and left this mission to be done mainly by the joint list, which shrink meanwhile, because also part of the, who used to be a partner in the joint list had joined the government, and we can see how it is. Why I'm thinking that, because in my opinion, the right wing, although it is the smaller partner inside this government, is actually leading this government and continuing what they called, I still remember I had a talk with Yair Lapid before composing the government, and I was or forming the government, and I asked him what this government position about the Palestinian issue, about ending the occupation. And he said it very clearly, listen, with this kind of partners, now we need to get rid of Netanyahu, as everybody was saying. But with such partners, we are not able to promote anything related to ending the occupation. What we should be doing is preserving or keeping the status quo. In my opinion, there is nothing that is called keeping the status quo in Israel. Keeping the status quo is enlarging settlements. Keeping the status quo is legislating more apartheid kind of laws. Keeping the status quo, more than 50 people have been killed by the occupation forces in the West Bank since this government was elected. Keeping the status quo means that settlements are heading to the Aqsa Mosque every day and praying very clearly, which did not exist in the past. Today they have the guts to stand up and to pray and to hurt the feelings of every Muslim and Palestinian on the ground. In my opinion, this is what makes me more
worried about where we are heading. Now, I know that what we need at this point is to bring back and to revive the struggle against continuous occupation. The situation today is that Israel want or do not want to be called is an apartheid state that have three at least different kind of relation between the residents or citizens inside Israel, in the borders of Israel. You have the Jews, you have the Palestinian citizens of Israel, and you have the Palestinians, and even some, of course, as you did, the Jerusalemite people, and you have the issue of the Golan people who are Syrians. So there are four or five different groups living under or in the same political entity with different legal system, with different relation with the state. And we are talking about a situation where everybody says that the two-state solution failed, some people say. And I ask myself, how can we say fail, fading out, becoming more difficult? I agree. But failed, we have never practiced it so that we can say failed. Thinking about having or shifting the, and I know it is a very extensive discussion going on now between mainly more intellectuals from both sides, Israelis and Palestinians. But I ask myself, those who have the privilege to feel that they practice their right of self-determination and establishing their national state, I don't know if they are able to understand this, the fact that the Palestinians do not want to give that up. The Palestinians are still, there's a difference between what the people want and what they accept because of the political reality. Saying that, okay, you don't want us to give to have our own state, let's start a struggle for one man, one vote, or one woman, one vote. This is in the Palestinian point of view, including me as a Palestinian, although I'm a citizen of Israel, this is giving up the struggle for liberation from occupation, from an apartheid regime, from a situation where the Palestinians are deprived the minimum of rights, of movements, of life even. Not only having a political entity, but even the right of life. And I don't think that the Palestinians want to give that out. And I have to remind something. I was elected by the, how you say, by this slogan of one man or one woman, one vote. This is how I got to the parliament. Does that make me equal? No. For sure, no. And everybody knows that. 74 years of democracy, and the only democracy in the Middle East, did not give me an equal right as citizen of Israel. With the lack of balance of power between Palestinians and the state of Israel, how we are going to shift this equation so that Israel will accept. And you and the idea of, okay, let the Palestinians say, I want to vote, and that will scare
the Israeli government? I'm not sure, because usually any attempt to start a struggle for a real full citizenship, equal citizenship, with no privileges to anybody, including the Jews and mainly the Jews in Israel, has been addressed in a very hostile way. And I can give one example. The future vision document that was written by a group of intellectuals and people who are active Palestinian citizens of Israel. I was one among them, where we, in my opinion, mainly were addressing taking very seriously our citizenship and trying to affect the regime or the order in Israel so that it becomes a real democracy. In my opinion, the situation has deteriorated then, because from then, 2005 till today, in the relationship between the Palestinian community in Israel and the state of Israel, depending on that. Now, I'm, because of that, as a reaction to that, this is not saying I'm giving up. I think, first of all, we have to take into consideration that who decide really about the kind of solution that ends the occupation should be mainly the Palestinians under the occupation. It's their right of liberation, and they decide how they are going to practice it. The other thing is that I think that we need to start to think that preserving the status quo means that this is continuous occupation, and there's a need for the international community to start acting, because the situation inside Israel today is heading more and more clearly to an apartheid regime, if it is not. And I claim that there are many components that makes it an apartheid regime. This is not my choice to call it. I did not bring this child to the world. I'm only naming it. So in my opinion, the governments of Israel who are heading toward this vision of the land of Israel from Jordan to the Mediterranean is actually creating that baby called, and I'm calling it an apartheid. We need the international community to be more active. For my regret, the international community, and I can understand that there are many other issues on your agenda, but I think it's about time to put pressure and to help us to put pressure and to hold Israel accountable, to hold the Israeli governments accountable. And please, please be aware that there was no real change happening in this country yet. There was a personal change happening, but the real change did not come yet. And if they call themselves, this government, the change government, we should hold them accountable for that and make them work hard to prove that they are changing things. Now, my fear is also because of using the fact of having Arab party inside the government in order to sell themselves, this government to sell itself to the world as a real change and a different government. Those who participating in this government is giving up again, like Meretz, like the Labour Party, is giving up the main struggle that we need to be addressing now, or we will lose the window time that is open for us still. If
if not now pushing, then we will lose it and we will end up really on the fact that there is no other two-state solution. I have to tell you, Yani, I don't know why everybody is saying there is no possibility more for a two-state solution. There's another group, for example, that is talking about one homeland, two states, with no borders between, et cetera, et cetera. For me, I say I'm crazy, say I'm optimist, but I don't see why there is no possibility. You are saying I'm crazy, Avram. I saw you doing like this. I still believe there is a possibility for a two-state solution. When we are saying there is no possibility for a two-state solution, it's mainly because of the settlement. And mainly because we are not seeing how we can solve this problem. If we cannot see how we can solve this problem, means we are accepting the facts, the crimes, because settlements are a crime, a war crime. It means we are accepting and we are willing to live with those crimes and make them legal, and because of them to change our vision of how ending this situation. I refuse to accept that. I do not agree with that. And yes, there will be a price for committing those crimes and making citizens, not all of them ideologists or racists or whatsoever, making Israeli citizens, Jewish citizens, go and be part of that. And there will be a price. There is no way to continue to control, deprive people of their rights, and use their natural resources for 55 years without paying a price when it ends. It happens in all the occupations that happened in the world, and it should be. I think this is the time to do the fight and not to give up. And that's why we need the international community to start also acting with us. Because for my regret, if there is something that this government did, is that it shrank the active people who are struggling against occupation. Thank you. Merci beaucoup, Aïda. Thank you very much, Aïda. Je vais laisser la parole à Elsa. Merci beaucoup et merci ces deux premières interventions, parce que c'est vrai que les dernières élections israéliennes et ce nouveau gouvernement reste assez obscur, je dois le dire, pour la parlementaire française que je suis. Et je suis ravie d'avoir quelques éclairages politiques, diverses d'ailleurs, hein, de votre part, mais c'est extrêmement important pour comprendre les choses. J'ai le sentiment aussi, à l'écoute de vos deux interventions, qu'il y a au moins une chose importante qui nous lie, c'est qu'on a le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté. Et ça a l'air assez fort, en tout cas, entre nous. C'est vrai qu'il y a peu d'éléments, en tout cas, qui pourraient nous amener à être optimisme par raison. Moi, j'en ai un, c'est qu'en ce moment, dans la ville où je vis et dans la ville où je suis élue, j'ai des jeunes femmes du centre Al-Boustan, du quartier de Silwan, qui sont présentes pour un échange social et culturel. Et effectivement, le fait de pouvoir échanger, de construire la suite avec elles, et d'entendre parler des résistances aussi à Jérusalem-Est, et de voir combien... eh bien, les mobilisations qui sont en cours font jaillir aussi un profond sentiment de révolte, et on sent que cette révolte est éminemment présente dans les mobilisations qui ont lieu depuis plusieurs mois dans Jérusalem-Est. Peut-être, vu la discussion, je me dis que c'est peut-être bien de tenter en quelques minutes
de faire un petit point aussi de ce que sont les mobilisations en France. Mobilisation, évidemment, pour tenter de faire infléchir considérablement la voix de la France, pour qu'elle agisse contre l'impunité d'Israël, qu'elle nomme les choses. Moi, je suis d'accord, je pense qu'il faut parler de régime d'apartheid et qu'aujourd'hui, ce n'est pas un mot utilisé par le gouvernement français, tout comme il y a aujourd'hui, on voit même à quel point la colonisation est un sujet extrêmement peu abordé par le gouvernement français, alors même que lors d'un rendez-vous pas si vieux au Quai d'Orsay, je ne citerai pas le nom de la personne que j'ai rencontrée là-bas, mais j'ai entendu cette formule disant « le poison, c'est la colonisation ». Et je crois que nous sommes nombreux et nombreuses à partager ça, mais on voit que ce n'est pas un vocabulaire, un vocable utilisé par le gouvernement français. Donc il y a cette chose, il y a évidemment comment on organise la mobilisation pour faire fléchir, permettre aussi une mobilisation en France qui ne soit pas renvoyée aux marges de la République. Ça, c'est important parce que pour celles et ceux qui suivent le contexte français, eh bien, aujourd'hui, il y a une tentative de renvoyer toutes celles et ceux qui militent contre les discriminations, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour une République pleine et effective, sont renvoyés par le gouvernement français qui glisse ses pas dans ceux de l'extrême droite aux marges de la République. On a même un qualificatif aujourd'hui qui nous est accolé, qui est ceux de... Nous sommes qualifiés d'une gauche islamo-gauchiste, après avoir été appelée la gauche des judéo-bolcheviques. C'est aussi une manière, et c'est très illustratif aussi pour notre bataille pour la Palestine, qui tente aussi de ramener la bataille pour le droit du peuple palestinien, pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, à une lutte religieuse et uniquement une lutte religieuse. Et donc, il nous faut évidemment pouvoir sortir de ça. C'est une bataille politique en elle-même. Et on voit combien c'est rendu compliqué parce qu'y compris de manière très concrète, eh bien, les dernières mobilisations, les dernières manifestations pour la Palestine, pour le droit du peuple palestinien, eh bien, étaient interdites en France par le ministre de l'Intérieur au motif qu'il pourrait y avoir en son sein eh bien, des slogans antisémites. Donc, à chaque fois aujourd'hui, en tout cas, il y a une ritournelle, une musique qui tourne depuis quelques années maintenant en France, eh bien, pour assimiler celles et ceux qui se battent pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, pour le droit du peuple palestinien à disposer d'un État, eh bien, d'être taxé d'antisémitisme. Donc, on a y compris cette lutte-là à mener pour permettre, dans un pays où, de longue date, il y a un peuple, je dirais, très favorable à une solution à deux États, à une paix, être très en soutien au peuple palestinien, eh bien, à pouvoir l'exprimer aussi politiquement. Et il y a une bataille, alors j'ai vu que Bertrand Helbron s'est connecté, donc il pourra aussi, je pense, en parler. La bataille aussi liée à BDS et aux sanctions des produits issus des colonies. Donc là, ils ont une première victoire, c'est de permettre maintenant que l'initiative citoyenne qui devra être signée par 1 million d'Européens puisse permettre qu'au sein de l'espace commercial de l'Union européenne, eh bien, les produits issus des colonies, de toutes les colonies, mais des colonies, soient interdits dans cet espace commercial. Donc, ça va être une bataille à mener dans les prochains mois, mais qui peut être effectivement une bataille citoyenne qui permet largement de s'investir. Je ne veux pas être trop longue, d'abord parce que je m'en excuse, mais je vais devoir partir. Et puis, je sais que Esther pourra détailler aussi ce qu'est ce contexte en France. Mais je dois le dire, pour poursuivre le débat qu'il y a sur un État, deux États. C'est une des discussions que nous avons aussi, évidemment, en France. Et puis, j'essaye d'être très en écoute aussi de la jeunesse palestinienne qui se mobilise et qui, évidemment, est une jeunesse qui a acté l'échec d'Oslo. Et qui a une forme de rage tout à fait légitime, qui y compris conteste aujourd'hui de manière importante l'autorité palestinienne,
et de manière que je juge légitime aussi à la contester, et qui, évidemment, n'est parfois pas sur cette idée deux États, un État. Bon, voilà. Moi, je, en tout cas, en tant que parlementaire française, je le dis comme aujourd'hui, qu'il y a un régime d'apartheid, qu'il y a des crimes commis, qu'il y a les colonies, la colonisation qui continue de parler de solution à deux États maintenant, bon, évidemment, peu de chances d'être effectif, mais que ça doit rester un objectif et que donc je continue de le porter, mais que d'abord, il y a cette lutte pour cesser l'impunité d'Israël et que ça fait partie des combats et une inquiétude certainement pour ajouter au pessimisme ambiant. Moi, en tout cas, je fais le constat que sur les dernières années, la voix de la France n'est pas simplement en sourdine sur la question palestinienne, mais qu'elle est en train de prendre un virage inquiétant lors des dernières mobilisations et événements dramatiques à Sharjah. On a vu combien le gouvernement français tentait de renvoyer dos à dos Israël-Palestine, tentant de montrer simplement un conflit et absolument pas de mettre en avant les crimes, la colonisation, le régime d'apartheid, tout ça était des mots gommés. Et donc, il n'y a même plus, je trouve, aujourd'hui, dans le discours, mais aussi dans les actes, la volonté de faire entendre une parole forte de la France et d'agir au sein de l'Europe. Donc, ça doit faire partie, évidemment, en France, en tant que militant, en tant qu'élu, des mobilisations à venir, d'autant que en 2022, Emmanuel Macron sera président de l'Union européenne. Et donc, par exemple, pour l'initiative citoyenne dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il faut pouvoir peser. Je ne sais pas si c'est illusoire ou pas, mais pour qu'Emmanuel Macron puisse aussi porter cette initiative-là au sein de l'Union européenne. Je m'arrête, Daniel, pour respecter à peu près le temps de parole et vraiment, je m'excuse de devoir partir et de vous quitter. Merci beaucoup, Elsa, de ta contribution. Je vais laisser maintenant la parole à Esther Benbassa, sénatrice de Paris. À toi, Esther. Esther, il faut que tu ouvres ton micro. Écoutez, non, mon micro. C'est bon. Oui. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Cette rencontre est très intéressante. On a des voix différentes et ça nous apporte quand même pas mal d'éléments de réflexion. Et Daniel, merci pour l'organisation de cette, disons, rencontre. Et voilà, maintenant à l'ère de l'Internet, rencontrer les gens de cette manière-là, c'est déjà pas mal. Ça nous donne de l'espoir le COVID. Nous continuons à discuter et à échanger. Moi, je vais être un peu pessimiste, comme vous toutes et tous. D'abord, très brièvement, vous voyez. En France, aujourd'hui, notre président de la République ne s'exprimera pas sur cette question et qui risque d'irriter une partie même mineure de la population. Il y a le départ de Merkel, une Europe actuellement déstabilisée par l'état de santé, et les communautés juives d'Europe qui, face à l'antisémitisme monte depuis longtemps, et ce n'est pas nouveau, mais actuellement, on voit qu'il y a une résurgence, et on voit un peu dans les manifestations anti-vax, on voit toutes ces,
toutes ces pancartes. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à ce que la communauté juive la plus grande en Europe, elle se trouve en France, puisse intervenir pour faire changer quoi que ce soit. Donc, pour le président de la République en France, il vaut mieux ne pas parler de cette question irritante. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi parmi les soutiens de la cause palestinienne, même si c'est minoritaire, il y a quand même aussi des slogans, des points de vue parfois qui frisent l'antisémitisme, ce qui n'encourage pas les Juifs de France. Je ne parle pas au nom de tous les Juifs de France, mais la majorité des Juifs de France craignent que cet antisémitisme soit encore plus important. Ben, même si c'est minoritaire, c'est quand même, et vu l'état d'esprit actuellement, c'est un problème. Et il faut parler aussi, n'est-ce pas, de Biden aux États-Unis. Il n'a pas du tout mis en question par rapport à son prédécesseur. Pas question, il n'a pas été question de la création d'un État palestinien occupation. En revanche, il y a un effort important, un plan de développement de la Cisjordanie et de Gaza qui sont en ébauche, un développement économique, et Mahmoud Abbas qui est aujourd'hui très affaibli et impopulaire, il peut abandonner la revendication historique des Palestiniens, d'un État palestinien, de la création d'un État palestinien, et opter pour ce développement, se faire acheter par Israël. D'ailleurs, il y a un très bon article qui est sorti aujourd'hui, je crois, je l'ai lu, je crois, aujourd'hui, de René Bachmann sur cette question. On voit un changement de discours quand même du régime à Ramallah, et n'oublions pas non plus les accords conclus à l'initiative de Trump entre Israël et le Soudan, le Maroc, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Et ensuite, Biden n'a pas du tout désavoué ces accords. Israël appartient désormais au bloc des alliés locaux des États-Unis contre l'Iran. Ben, du moins, quand je dis locaux, j'entends les États du Moyen-Orient. Isolement de la Palestine, voilà, ça va de soi. Aucune grande puissance aujourd'hui ne considère le sujet de l'État palestinien, d'un futur État palestinien, comme un sujet primordial. Le nouveau régime en Israël n'est pas différent de celui de Netanyahou. L'armée et les colons n'ont pas du tout changé de comportement. Depuis le début de l'année, 57 Palestiniens, dont 12 enfants, ont été tués par balle par l'armée israélienne. Les 600 démolitions de bâtiments palestiniens en 9 mois et 300 attaques de colons. Je suppose, d'après ce que je lis aussi, je ne vis pas en Israël, mais le projet israélien est de réduire l'intensité du conflit plutôt que de le résoudre. Alors c'est une nouvelle orientation, n'est-ce pas, et prônée par le philosophe Goodman, etc., en Israël, et piège dans lequel va tomber probablement Abbas et son entourage, à savoir l'incitation économique, surtout dans la zone A, dans les enclaves de la zone A en Palestine, les enclaves de la Cisjordanie, qui constituent 18% du territoire, qui est sous contrôle administratif et sécuritaire palestinien.
divers mécanismes destinés à renforcer l'autogouvernement des Palestiniens va être mis en place. Ça ressemble à cela, enfin, quand on lit la presse israélienne aussi, donner aux Palestiniens le sentiment de gouverner leurs propres affaires. Donc l'État palestinien, on verra ça une autre fois, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas la question principale. Il peut y avoir un arrangement de nouvelles options pour l'avenir, comme par exemple une confédération avec la Jordanie. Et même les habitants de Gaza vont bénéficier de mesures qui sont destinées à faciliter leur vie quotidienne, par exemple le dessalement de l'eau de mer, plus de lignes électriques, livraison de plus de gaz, etc. Donc tout cela risque de ne pas laisser indifférent le régime de Ramallah. Et il y a un accord avec le Qatar pour acheminer l'aide financière. Alors l'engagement palestinien devrait être le calme, de longue durée, fin de l'envoi de roquettes par le Hamas, arrêt des infiltrations du groupe armé, coopération sécuritaire avec l'autorité de Ramallah, soumission aux exigences israéliennes. Plutôt que la négociation diplomatique, qui était, disons, le mode de fonctionnement jusqu'à maintenant, et on va probablement aller vers ce soutien économique et qui pourrait changer la donne. D'ailleurs, une génération politique autour d'Abbas, qui convaincue qu'il n'y aura jamais d'État, pourrait accepter ce compromis. D'ailleurs, on remarque des changements d'affectation de hauts fonctionnaires palestiniens qui ont encore gardé, leur idéologie, et savoir leur loyauté à cette idée de fondation d'un État palestinien. C'est clairement un changement auquel s'attellent certains dirigeants palestiniens aujourd'hui, et donc la création de l'État palestinien pourrait reculer de plus en plus cette idée et laisser la place à ces pourparlers économiques, en gros le dirigeant palestinien pourrait se laisser tenter et être acheté par Israël. Écoutez, d'ailleurs je vous convie à lire cet article de René Bachmann qui est vraiment qui donne pas mal d'éléments sur cet aspect des choses, et j'y adhère, et c'est pour cela que je suis en même temps d'accord avec celles et ceux qui ont parlé, qui sont intervenus là, mais en même temps je me dis que ce gouvernement n'est pas différent de celui de Netanyahou, mais son mode de fonctionnement là concernant la question palestinienne relève plutôt d'une démarche soft qui va endormir les gens, et puis on passera à autre chose. En tout cas, je crois que jamais l'idée d'un État palestinien n'a été aussi loin, que ce soit un État comme Avraham a expliqué, ou un seul État avec deux gouvernances, etc. Ben, moi, je ne suis pas optimiste là-dessus, mais voilà mon point de vue, et voilà. Bon, peut-être vous avez bien sûr des questions à poser après. En tout cas, c'est ce que c'est un peu mon orientation
je vous ai dit, cet article que j'ai lu aussi m'a réconforté dans ma façon de voir les choses, qui n'est qu'une vision parmi d'autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Esther, pour ton témoignage et ton engagement également dans cette lutte internationale pour une paix juste.